savez qu'il ne voulait pas faire ce métier. Ça l'embêtait. Et le père était désolé. Le père m'aimait beaucoup parce que moi, au contraire, je voulais. Alors, il était content que Jean soit avec moi en se disant, elle va l'entraîner. Parce que lui, il ne voulait pas faire ce métier. Ça l'embêtait. Mais enfin, on est arrivé quand même à le convaincre. Hein. Il me disait, tu ne te figures pas que je vais faire le clown toute ma vie, non? Il aurait aimé, lui, conduire les trains. On était à côté de la gare. Alors, il y a les locomotives qui passaient de ce temps-là. Hein. Il m'appelait, viens d'y voir la locomotive. Il me dit, oh là là, ce que je voudrais conduire, une locomotive comme ça. Il aimait ça. On allait dans les bois, on allait dans les fermes tout autour, car il adorait les fermes. Il rentrait dans les fermes pour sentir le fumier. Il trouvait que le fumier sentait bon. Il prenait de la terre. Il dit, mais sens la terre de Mériel comme elle sent bon. Enfin, je dis, oui, elle sent bon, oui, enfin, oui. Et alors, on se promenait. Et un jour, il me prend par le cou, il me dit, tu sais, ma pépette, parce qu'il m'appelait pépette, un jour, on l'aura, notre ferme, je te le promets. Il l'a eu, mais sans moi.